Colonel Imler Rebu, mesdames et messieurs, ancien officier de l'armée d'Haïti, un citoyen, il parle, un pile monde prend le temps et un pile attention pour tendre qui ça, monsieur, ça lui-même l'a dit. Eh bien, je dis là, qui prend position et qui fait gros révélation, choc, sous diverses blindés qui ont rentré dans le pays. Ah, ça n'est pas les chats blindés. Est-ce que nous connaissons les chats, ça, mesdames et messieurs, c'est des chats? Eh bien, c'est pas le gouvernement américain vraiment qui. Et comme si préparer chasse à pour Haïti, et bien c'est des gens qui vendent on sait des vieux chats dans le pays des États-Unis et puis ils ont acheté vieux chats à eux, ils ont porté par l'État haïtien pas qu'on a rien dans la question technologie, qui pas qu'on a rien dans rien, et puis blanc même a passé nous dans Tintin, blanc même a porté un paquet de cartons dans nous, et puis nous relé au chat. Ils ont sorti là, ils ont arrivé là, ils ont pris panne. Chao sous les États-Unis ou tande ou pa gise si ou pa gise la bon. Nan ki sa nou pran la? Mais Colonel Imler Rebu ki pa jam mette de l'eau nan bouche li pour le parler cause, même si après ça que fait dernièrement, nan bay kari comme nan, puis le monde e commence à douter de Colonel la, mais ça pa empêche que un pile fois monsieur parler cause, que un pile monde tande. Et ben nous pral invite ou tande déclaration choc. Eh bien, Colonel Imler Rebu lui-même li fait sous dossier blindé sa yo et sous la police à Kenya et la mine d'Haïti, eh bien k'ap mené opération tête chargée dans base gangio k'ap déraciner bandi, k'ap pété fiel Valpa, k'ap bay pays sa a problème. L'autre gros détail encore mesdames et messieurs, eh bien faut qu'on di wa et dossier policier sa a qui débarqué dans base là mo san jou k'ap mandé nèg yo et là déjà gen bon enquête k'ap mené sous monsieur pour joindre qui. Et bien, alliance que monsieur lui-même li gagné et avec la mort sans fou. Parce que nèg sa yo nous connaissons sans pitié pour les policiers. Et bien, je dis à pourquoi un policier débarqué et rentré dans la base de la mort sans fou pour la demander la mort sans fou aide, pour la demander la mort sans fou l'argent. Est-ce que nous voyons qui ça nous prend l'argent? Je dis à. Là, nous avons des policiers avec qui ont même pas gagné sa résistance là, ils n'ont pas qu'à souffrir. Avant petit cric, yo getan vle fè tout ça qui mal pour capable toujours bien l'argent dans mes. On va inviter bien tout détail dans vidéo ça arrêter connecté là tourner. Pour yo mettre tête yo pour y a résoudre des problèmes de sécurité dans des espaces physiques qui mélangent population et bandits et avec des méthodes policières, la police fait travail. On va dire la police te mène une investigation. Te gen de moun ki te refuge nan l'hôtel, te gen même gen policier, an de ba yo mene investigation yo, yo kone, et jou wè yal cherche moun dan l'hôtel, et ba jou wè tap travay sou. Donc, au contraire, la police ta fait pou ta gen plus moyen pour kap augmenter fonctionnement, potentialité de CPJ, ki gen de moun très qualifié, ki kon travay yo, ki kap fè travay yo. Donc, mwen mwen kwa que c'est la pou yo ta investi. Pour quitter la police, faire travail la police. Et pour prendre d'autres mesures pour résoudre problème et sécurité dans la nature, problème dans qui est là. Et il y a une politique blindée. Bon, moi-même, honnêtement, moi, plus que stratégie blindée, c'est une stratégie commerciale. C'est des gens qui ont blindé pour vendre. Donc, cap vendre des véhicules, ils ont besoin de vendre. Et c'est des gens qui ont besoin de faire pourcentage dans le ristoun, cap acheter des bagailles. Dans tout pays au monde, la police gagne des véhicules de transport de troupes. Mais véhicules de transport de troupes, c'est des véhicules qui sont achetés pour protéger des gens qui peuvent faire des raids terrestres. Parce que le premier bagage problème véhicule la gagne, c'est limiter le nombre de gens qui sont engagés dans l'opération. Donc, est-ce que par exemple, qui quantité blindé pour gagner pour aller débarquer dans une zone qui gagne des bandits qui gagne 150, 200 petits bandits petits qui gagne des âmes dans les et pour le faire. Donc, la police a toujours fait travail, elle a une capacité pour faire travail. Il faut qu'il augmente la capacité. Ça, maintenant, il faut que la population ne prenne pas l'illusion que la méthode policière est capable de résoudre le problème. Je ne vais pas dire faire mettre dame, faire foulaille dans le problème. Non, non, parce qu'on doit faire ça tout. Mais résoudre un problème de manière définitive, ce n'est pas pour demain, à la méthode que vous choisissez. Qui est-ce qui a fait quoi que la police là? Il n'est pas arrivé à réaliser beaucoup de filets. Non, Belé, c'est par rapport à un manque de planification qui fait. Moi, pas qu'à émettre opinion sur ça. Parce que, comme tu connais, qui j'en, moun qui sous Belé, qui j'ai organisé, côté yoye, qui quantité yoye,
qui quantité zamyure, parce que c'est donné ça qui pour permettre tout planifier opération. Ensuite, pour aller faire opération, pas oublier que c'est non espace urbain, c'est côté gen moun qui nan kay k'ap vive. Donc moi pas gen donné qui te permettre yo prendre décision, hein. Moi pas gen résultat opération yo. Moi connais seul ba moi connais. Seul ba moi connais, me certain. Sou t'attendez par exemple yo commencer une opération là jodi a. Opération normalement si c'est opération li pas fait pour gen rupture. Ou pas capable commencer une opération ou pas atteindre objectif là et puis pour retourner là caillou. Parce que opération dit ou gen tout donné dans monde qui permet ou assiéger zone ça ou résoudre problème là ou nettoyer zone là. C'est pas travail la police. On a soyez moyen, soyez moyen. Mais c'est zamdou moi pas connais, moi pas connais qui caractéristique ennemi qui a pas fronté là. Côté ennemi localisé, qui moyen ennemi a gagné, qui système campagne que ennemi a fait sous population côté l'IA, et yon même qui sa yon gagné nan men pour yon opposer à li. Jou wap wè ap gen opération tout bon en Haïti, wap wè gen de coordination aérienne kap fait avec moun ki au sol yo. Parce que ou pas kap mené opération sou pa tande, sou pa wè. Et gomba yo ele wè en continu. Ça veut dire que sou atè ou pa ka forcément wè tout ça ka fait sous scène, sous théâtre qui devant là. D'autant que c'est un côté gain de citoyens civils qui pa eux même des guerriers ni des bandits, ou pa ka tomber tiré de manière inconsidérée. Donc faut wè et là en dans une ville des opérations c'est des raids que ta kabye et qui fait avec une précision chirurgicale de bagaille qui pas durer entre 30 minutes et 1 heure de temps et pour prendre objectif là vraiment et pour replier avec ou bien éliminer. Maintenant les méthodes policières comme moi toujours dit li, la police travaille pas là qu'on fait, faut pas confondre la police non à utiliser la police comme c'est des militaires qui t'a monté à la soie etc. Donc tant que yon engagé en dedans yon réalité qui différent de savoir faire yon, a toujours gen demi résultat. Maintenant ça le konnen pou le faire ou elle mène enquête li joine de moun qui nan liaison avec affaire bandi parce que c'est ça la police kon fait et là konnen c'est au lieu à prendre pile l'agence MAP mettre gayer tout partout renforcer des CPJ permettre qu'il y ait des formations qui fait permettre qu'il y ait des renforcements de monde qui fait pour la police soit capable de faire travail qui capable faire qu'on fait. Si on a quoi vidéo qui a circulé avec voice qui a circulé tout ça qui a fait nous sentir que la police monsieur police a mis des pieds à terre parce que bah dire yo confisqué les armes et casque avec bagage qui était chargé qui était gain bagage balle pour la police là. Est-ce parce que c'est parce que la police a pas de gain information de territoire qui fait que yo arrivé perdre du matériel ça ou du moins est-ce que c'est parce que nous pas gain hélicoptère qui capable aider nous faire combat qui permet que nous toujours apprend coup de bas dans monsieur Xavier. Bon, les narratifs qui lié à des opérations faut toujours prendre ça avec un peu de recul parce que la propagande que ce soit la police qui a fait propagande parle que ce soit M. Bandio qui a fait propagande par yo, viser un objectif pour blaser l'autre là, pour montrer l'autre là plus faible. Les gens ne peuvent pas parler, les gens doivent faire un pile pète, oui. Ils vont parler de pète par lui pour qu'ils ne pas craser moral tout par lui. Donc, il faut prendre un narratif avec beaucoup de recul pour comprendre qui c'est la vérité. Maintenant, on dit par exemple que des bandits disent qu'ils prennent des armes à la police. Là où monte aux armes, comment on va faire connaître si ces armes la police, si ces armes là. Donc, dans le narratif de guerre, faut prendre pile précaution parce que parole qu'a dit visait à faire une série de monde, quoi une série de bagailles. Tant de monde qui dans campagne que monde qui en face là. Il y a dit de bagaille pour attaquer moral monde qui en face là et il y a dit de bagaille qui pour renforcer moral monde qui avec yo. Yo rien doit perdre 20 nègres, doit perdre 2 nègres qui étaient blessés. Et la police qui doit dire même bagaille là tout. Et narratif de guerre, faut prendre pile précaution avec lui. Maintenant, ça nous gagne là, pas gagne bluff la donne. Jour gagne résultat vraiment, gagne des noms qui vous attendez.
gende non moun tout dan nou pa tande ou bien yo arrêter moun ça ou bien moun ça tombe au combat ou bien yo neutraliser moun ça de bagarre c'est que c'est parler n'a parler autour de bagarre là moi te wè général Koni te réuni avec tout état major t'a fait séance d'état major chez moi c'était pour faire monitoring et opération qu'a fait pour la bail indication parce qu'on connaît les opérations comme ça les grands généraux sont tous réunis et puis il y a évalué situation il y a passé commandement tout il y a bail conseil il y a évalué les gens qui blessés il y a descend à porter au secours dans l'hôpital donc nous on a un gros bagage sérieux que il y a des monde sorti pour prendre pour faire le théâtre de manière consciente ou pas mais où tu prends pas qu'à bien résultat dans où tu prends j'ai pas. Le journaliste a fait quoi que le fait que pour EPM a reconnu de son l'hôpital Benameuse à l'ouest, policier qui était blessé, dans un dessin qui était vraiment médiatisé, c'est un gros erreur stratégique que lié pour la police. On est notre colonne qui joue. Pardon, général Koni, qui était descendu de l'hôpital Benameuse hier pour le talouer policier soit qui était blessé dans Fort Mario. Il y a un analyste qui a fait quoi que c'est une erreur stratégique que la police a faite, étant donné que des cette salle était vraiment médiatisé, plus immédiatée là. Bon, et comme moi dis, moi pas un élément d'appréciation là même. Le général en chef qui est sur le terrain des opérations, c'est général Koni. Donc c'est lui-même qui a évalué qui bonne décision pour le prendre. S'il y a des hommes qui étaient blessés, il descend à l'Ouest. Moi je crois que c'est un bon bagage que l'a réconforté M. Sayo. D'autant que moi je crois, il dit que nèg sous lit d'hôpital et côté blessé là. Je dis c'est tant y'a tant de fin guéri là pour repasser à l'assaut. Donc la peut stimuler moral négio, la peut encourager au son bon bagage. Et n'a fini avec question ça colonel. Nous connaît que le sage c'était le monde qui reconnaît reconnaît très longtemps qui était pour qui était chef commandant de l'armée qui est remplacé par des guerriers que tout le monde t'a fait croire qu'il est nationalité américaine. Est-ce que vous pensez que le remplacement c'est un bon choix lié pour FADH? Bon, moi-même, moi, je crois que ce sont des décisions d'État. Et avant mon qui prend décision, ils ont évalué la situation générale qui était là, résultat que le débat, objectif qu'ils ont gagné en tête, avec projet qu'ils ont gagné pour la mer, ils ont estimé son autre général pour faire appel à lui. Ça prévoit dans le règlement, ils n'ont que fait un choix. Maintenant, seul bagage nous a obtenu, que le tabac général ça, les moyens et la liberté de penser et d'action pour être capable d'accomplir la mission que vous prétendez capable de faire. Mais pour faire ça, il faut le matériel, faut le équipement, faut le moyen et surtout faut le personnel préparé. Ou même qui sont mon critère ici avec la sécurité pays, est-ce qu'on peut faire tête ou le devoir pour que vous ayez une enquête sur le nouveau général Derby Guerrier? Par rapport avec non, mais moi, je connais général David Guerrier. Général David Guerrier, tu es élève de l'Académie militaire, tout comme général de Sage. C'est deux monde que je connais très bien. C'est deux monde que je connais. Ça a plus de 40 ans. C'est deux monde qui étaient instructeur à l'Académie militaire. Je suis vu pendant une période assez longue avec eux. C'est deux monde que je connais sous potentialité. Je connais ça qu'on fait. Je connais ça qu'on pas fait. Nous connaissons ça, nous sommes capables de faire. Nous connaissons ça, nous sommes capables d'accomplir avec les moyens que nous avons capables. Donc, ce n'est pas deux mondes qui sont étrangers. Moi, je pense que si nous avons les moyens humains, les moyens matériels, la logistique, et que des résultats que nous sommes capables de vivre à atteindre. Donc, ça va dépendre de qui ça général là. Parce que c'est le général, c'est lui qui va évaluer la situation. Hein. C'est lui-même qui va faire requête lui. Et c'est le gouvernement avec le CPA qui va bailler les moyens pour qu'il y ait un résultat.